Puisque je parle ici dans la Fondation Bodmer, je parle à côté du portrait du fondateur. C'est particulièrement émouvant puisque, comme vous le savez, Homère, pour lui, c'est un des cinq piliers de la culture. Et donc, nous allons ce soir nous mouvoir dans l'un de ces cinq piliers de la culture d'après la vision de la Weltliteratur qu'avait Martin Bodmer. Martin Bodmer, j'ai encore eu la chance de le rencontrer à l'époque où on jouait le Discolos de Ménandre et où il était venu assister à des représentations au théâtre antique de l'école internationale. Donc j'ai encore eu la chance de le rencontrer en compagnie du professeur Victor Martin qui avait fait l'édition de ce texte. Ce soir, c'est donc l'Iliade qui va nous occuper. Peut-être tout d'abord un mot sur le titre, Iliade. Ça veut dire l'histoire d'Ilion. Ilion, c'est un des noms de Troie. Iliade, c'est l'histoire qui se passe à Ilion. Maintenant, comme vous le verrez, ce n'est pas toute l'histoire de la guerre de Troie. Je vais vous proposer une petite promenade en trois morceaux. Tout d'abord, on se posera la question de savoir si l'Iliade est un poème unique. Parce que c'est une question qui s'est posée à travers les siècles, comme vous verrez. Est-ce que c'est un poème? Est-ce que c'est plusieurs poèmes? Ensuite, nous allons faire un petit détour par les réalités guerrières du monde homérique, c'est-à-dire nous allons considérer ce que nous pouvons voir encore de concret à propos des guerriers de cette époque-là. Et puis enfin, nous en arriverons à la signification de l'Iliade. Pour une signification de l'Iliade, en effet, dans mon titre, je remets ça, l'Iliade, un poème de la guerre. Vous avez tout de suite deviné que l'essentiel, c'est le point d'interrogation, puisque le reste, on peut le dire, mais le point d'interrogation, il est intéressant, puisque la question se pose. Je viens d'apprendre, je ne savais pas, que Tolstoï était un grand lecteur de l'Iliade, et c'est magnifique comme perspective, puisque vous allez voir qu'on arrivera à des conclusions qui font penser à Tolstoï. Alors, première partie, l'Iliade est-elle un poème unique? Quelqu'un qui n'en doutait pas, c'est Ronsard. On connaît ce poème qui commence par « Je veux lire en trois jours l'Iliade d'Homère, et pour ce Coridon, ferme bien lui sur moi. Si rien ne vient troubler, je t'assure, ma foi, tu sentiras combien pesante est ma colère. » Vous aurez remarqué ce mot « colère » qui arrive au bout de la strophe, alors qu'on sait que l'Iliade, c'est l'histoire de la colère d'Achille. Donc, je vais lire la colère d'Achille, mais toi, tu auras ma colère à moi si tu viens me déranger dans ma lecture. Donc, pour Ronsard, dont je vous présente ici un portrait d'époque, il n'y a pas de doute. Pour Aristote, que vous voyez ici dans un portrait célèbre, c'est Rembrandt, un portrait qui date de 1653, qui représente Aristote contemplant le buste d'Homère. Eh bien, pour Aristote, il n'y a pas de doute non plus. Voilà, en effet, ce qu'Aristote dit dans la Poétique, un texte qui date d'à peu près 335 avant notre ère, et où il analyse la manière de faire une bonne tragédie, puisque celui qui pourra faire une bonne tragédie, la tragédie étant le poème le plus compliqué, il pourra faire facilement tous les autres poèmes. Alors il dit ceci, « C'est pourquoi Homère peut apparaître sur ce point plus génial que les autres poètes. Il n'a pas entrepris de raconter toute la guerre de Troie. Bien qu'elle ait un commencement et une fin, c'est une des conditions pour une œuvre littéraire, la trame en serait trop longue et difficile à embrasser du regard. » Il est important pour Aristote qu'on puisse embrasser du regard. Mais il a choisi une partie dont il fait usage en y ajoutant de nombreux épisodes comme le catalogue des vaisseaux et d'autres encore. L'Iliade et l'Odyssée, on s'est posé la question, sont-elles l'œuvre d'un même homme? Encore une fois, il n'y a pas de doute pour Aristote qui dit ceci, de tous ces procédés, Homère est le premier à faire usage de manière parfaite. En effet, chacun de ces deux poèmes est constitué, l'un l'Iliade de manière simple et manifestant des passions, l'autre l'Odyssée de manière complexe, c'est de la reconnaissance de bout en bout et manifestant des caractères. Donc on entre ici, je n'insiste pas sur les critères d'appréciation d'Aristote, mais vous voyez, pour lui, il y a un auteur qui s'appelle Homère et qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Très vite, on s'est mis à en douter.
Les premiers qui en ont douté, ce sont les séparateurs, les horizontes. Les séparateurs travaillaient à la bibliothèque d'Alexandrie. Vous avez ici une vue de reconstitution imaginaire de la bibliothèque d'Alexandrie, mais il faut donc rappeler que Ptolémée, le premier Ptolémée, un des successeurs d'Alexandre le Grand, devenu roi d'Égypte, a créé à Alexandrie ce grand centre de recherche qu'on a appelé la bibliothèque et d'où sont sorties toute une série de découvertes. C'est à la bibliothèque que, par exemple, Ératosthène a pour la première fois mesuré le pourtour de la planète avec une erreur de à peu près 40 km, donc c'est pas mal du tout. Donc il y a toute une série d'œuvres littéraires, celle de la Polonius de Rhodes, de Callimaque, qui gravitent autour de cette bibliothèque. Et ces gens éditaient les textes classiques de la Grèce, Homère, les tragiques, les orateurs. Il y a eu ici même une exposition Alexandrie la Divine où vous avez pu voir un reflet de toute cette activité. Alors les horizontes disaient oui, il y a deux auteurs en fait. Il y a l'auteur de l'Iliade et l'auteur de l'Odyssée. Au premier siècle de notre ère, l'auteur du Traité du Sublime lui dira non, c'est peut-être bien le même, mais il était devenu plus vieux, n'est-ce pas? Donc l'Iliade, c'est un poème de jeunesse, et puis l'Odyssée, c'est un poème de l'âge mûr, donc c'est le même poète, mais donc, la problématique était là. Mais la problématique a été poussée plus loin par quelqu'un qui, au XVIIe siècle, s'appelle François Edelin, et qui est devenu abbé d'Aubignac. François Edelin était d'abord un avocat, mais un lettré, qui a écrit les tragédies, qui a écrit sur les trois unités, comme Corneille, qui a écrit un traité des trois unités, qui s'est disputé avec Corneille hein, sur ce point-là, et qui, après sa mort, dont on a su après sa mort qu'il avait écrit sur Homère. Les conjectures académiques sur l'Iliade ont paru à titre posthume en 1715, donc vous voyez, longtemps après le décès de François Edelin. Alors, quel était le contenu de ces conjectures académiques? Eh bien, Homère n'existe pas. C'est un personnage inventé. Les poèmes sont des morceaux qu'on a raccommodés, qu'on a mis ensemble pour faire des toutes, mais enfin, il n'y a pas d'Homère, il n'y a pas d'unité de ces poèmes. Il a lancé par là une grande polémique dans laquelle s'est illustré l'allemand Friedrich August Wolff. Vous en avez deux séries de portraits, je vous ai donné que le portrait romantique, mais il y a aussi le portrait classique où il est de profil avec une perruque poudrée. Là, il fait plus penser à Beethoven, l'autre fait plus penser à Mozart comme style. Mais donc, Wolff a écrit et publié en 1795 les Prolegomena ad Homerum, en latin bien entendu. Tout ce qui était savant à l'époque s'exprimait en latin. Seulement ce texte de 1795 est tellement important qu'il a fallu le traduire en anglais il y a quelques années, parce que les philologues anglo-saxons ne savent plus tous le grec et le latin. Donc ils ne pouvaient pas lire le texte latin de Wolff, qu'on a jugé suffisamment important pour qu'on puisse encore le lire aujourd'hui. Que dit Wolff? Eh bien, il dit, voilà, il n'y a pas non plus de Homère, il y a des traditions diverses qu'on a remises ensemble pour en faire des poèmes, l'un qui s'appelle l'Iliade, l'autre qui s'appelle l'Odyssée, et puis au départ de tout ça, il y a des traditions orales. Et alors, il a lancé ce qu'on appelle la question homérique. Goethe réagit, et de nouveau, ici on tombe sur un autre des piliers de Martin Bodmer, Goethe réagit dans un petit poème qui s'appelle « Epigrammatisch » et qui date, semble-t-il, de 1828, « Homer, wieder Homer, scharfsinnig habt ihr, wie ihr seid, von aller Verehrung uns befreit, und wir bekannten überfrei, dass Ilias nur ein Flickwerk sei. Möge unser Abfall niemand kränken, denn Jugend weiß uns zu entzünden, dass wir ihn lieber als Ganzes denken, als Ganzes freudig ihn empfinden. » Vous remarquez les majuscules, « ihn », lui, c'est évidemment Homer, Goethe, et puis la traduction française, « L'esprit aiguisé, vous nous avez délivré de toute vénération, ivre de liberté, nous voici convertis. En fait, l'Iliade n'est qu'un rafistolage. » Qu'on me pardonne, je rejette cette croyance.
car jeunesse, c'est allumer en nous ce désir, le penser plutôt comme un tout, et comme un tout joyeux, le percevoir. Donc, jeunesse, c'est la jeunesse de la littérature à ce moment-là, et puis le, c'est évidemment Homère. Donc, vous avez deux tendances dans la question homérique. Vous avez d'une part la tendance Wolf, d'autre part la tendance Goethe. On appelle la tendance Wolf les analystes, c'est ceux qui pensent que c'est ein Flickwerk fait de pièces et de morceaux, et on ira très loin dans ce sens. Il y aura des gens qui vous diront dans l'Iliade, ça c'est telle couche, on numérotera les poètes et on en fera comme ça une espèce de Flickwerk justement. La tendance Goethe, c'est les unitaristes ou unitariens qui pensent que c'est une œuvre qui a sa cohérence, qui est unitaire et qui a peut-être, qui contient des éléments qui sont venus d'ailleurs, mais qui constitue une œuvre en elle-même. Est-ce que ces deux tendances sont incompatibles? Non. Il y a un angle d'attaque nouveau qui fait son irruption dans les études homériques en provenance des études slaves. Et c'est à la fin du XIXe siècle qu'en analysant les épopées transmises oralement dans le monde slave, qu'on s'est posé la question, après tout, est-ce que les poèmes homériques ne seraient pas des poèmes transmis oralement comme certaines épopées slaves? Chose curieuse, du reste, beaucoup, on voit ça dans le mémoire de Shostakovich, beaucoup de ces bardes slaves sont aveugles. Or, la tradition veut justement que Homère ait été aveugle. Donc, il semble qu'il y a une espèce de mutilation qualifiante, comme dit Dumézil, qui fait que le voyant de la poésie serait un aveugle dans la réalité. Mais c'est lui qui a la mémoire. Alors l'oralité, le problème de l'oralité fait irruption, et il fait irruption par un personnage très amusant et curieux et intelligent et merveilleux, c'est Milman Parry. J'ai mis un Américain à Paris parce qu'on pense que c'est lui qui est derrière l'inspiration de Gershwin pour le ballet Un Américain à Paris. En effet, c'est un Américain qui est allé faire sa thèse à la Sorbonne avec Antoine Meillet, thèse écrite en français, publié en 1928, et qui s'appelle « Essai sur un problème de style homérique, l'épithète traditionnelle dans Homère ». Bien entendu, il a fallu traduire ça en anglais parce que les Américains ne peuvent pas le lire en français. Donc désormais, on lit cette thèse de Sorbonne, on la lit en traduction anglaise avec l'ensemble des papiers de Milman Parry. Si vous voyez les dates, 1902-1935, vous vous rendez compte qu'il n'a pas vécu longtemps. Il n'a pas vécu longtemps parce qu'il se promenait un jour en Californie, c'est ce qu'on m'a raconté de bonne source, il est entré dans le hall d'un hôtel pour prendre sa chambre, il a posé sa valise, dans la valise il y avait un revolver, le choc de la valise a fait déclencher le revolver et il s'est tué comme ça. Donc il est victime d'une arme à feu. Mais, disons, son fils a ensuite publié, republié tous ses écrits et lui parvient à la conclusion suivante. Comme dans les épopées slaves, les épopées homériques utilisent des formules. Et vous avez donc un ensemble de formules que vous pouvez manipuler pour les mettre au service d'un récit que vous voulez présenter. Alors, ces formules sont analysées d'abord chez Homère, puis il partira dans ce qu'on appelait la Yougoslavie jusqu'à pas longtemps, ici ce sont les Aèdes du Monténégro, avec un de ses disciples qui s'appelle Lord, ils vont sillonner le Monténégro et la Serbie et écouter des bardes qui récitent des poèmes qu'ils connaissent de mémoire et qui sont justement constitués à partir de formules. Ces bardes peuvent du reste exécuter la même histoire. Selon ce que vous leur demandez, ils peuvent vous la faire en 200 vers ou en 2000 vers. Ça fait donc penser très nettement à ce qui se passe avec Ulysse ou Démodocos ou Phémios dans l'Odyssée. C'est un barde qui est là, à qui on demande de raconter ou de chanter telle ou telle histoire. Chanter probablement parce qu'il y a un port de la voix quand on fait ce genre de choses et qu'il y a, comme vous voyez, accompagnement ici d'instruments qu'on appelle des gouzlets et ces personnages sont donc des gouzlards. Alors il y a un gouzlard qui était célèbre et qui est très intéressant, il s'appelle Avdo Medvedovic, c'est un Monténégrin,
Il faut dire que Parry et Lord allaient surtout aux fêtes des Albanais, parce qu'elles durent plus longtemps que les fêtes des Serbes chrétiens. Et de ce fait, les poèmes récités étaient plus longs. Et là, ils ont demandé à ce barde très célèbre de réciter un poème sur le thème bien connu du mariage de Meo Smailagic. J'ai jamais lu cette histoire, je vous rassure. Mais ce barde en a fait un poème de 12 000 vers dont la récitation a duré 3 jours. Je veux lire en 3 jours l'Iliade d'Homère. Hein, on retombe sur... Donc, il réussissait à faire quelque chose à peu près de la dimension. L'Iliade, c'est à peu près 16 000. Donc, avec 12 000, on est dans la dimension de l'Odyssée plutôt. Mais donc, ils font ces enregistrements et ces relevés et ça devient les archives de Milbank Parry qui sont à l'université de Harvard et que tous les spécialistes de folklore connaissent et peuvent consulter. Nous avons eu à Genève quelqu'un qui s'est livré à ce jeu, c'est Samuel Bobovy. Vous avez ici Samuel Bobovy en 1954, la photo est de son élève Bertrand Bouvier. Il est en train de prendre note du chant d'un crétois, d'un aède crétois. Et Samuel Bobovy a fait donc sa thèse sur les chansons du Dodécanèse, puis il a travaillé aussi comme folkloriste sur les chansons de la Crète. Je rappelle qu'il avait une carrière politique et musicale à Genève pendant ce temps-là et qu'il s'est toujours intéressé à la musique grecque, aussi bien antique qu'actuelle. Mais d'autres musiciens se sont intéressés. Vous avez ici Béla Bartók en train d'étudier les documents de Milman Parry à l'université de Harvard, puisque vous savez que Béla Bartók a fini et décédé aux États-Unis, hein, il est mort apparemment dans la misère aux États-Unis, mais là il est en train de consulter les archives de Milman Parry, et il finira par écrire ceci, que je vous cite, il l'a écrit en anglais, « The work of Bach is a summing up of the music of some 100 odd years before him. His musical material is themes and motifs used by his predecessors. Is this plagiarism? By no means. For an artist, it is not only right to have his roots in the art of some former time, it is a necessity. » Donc ce n'est pas du plagiat pour un artiste d'utiliser les formules de ceux qui l'ont précédé. C'est une nécessité d'avoir ces... Et donc, il a été sensible à cette musique de ces récitants de la poésie orale et défend, vous voyez, en les comparant carrément à la manière de Jean-Sébastien Bach lui-même qui utilise aussi des motifs et des tournures. On pense au jazz aussi qui utilise des formules. Il y a des formules dans la musique baroque, il y a des formules dans la musique de jazz et on comprend qu'un musicien comme Bartók ait été intéressé par cette approche. Je vous montre ici une formule, rassurez-vous, je vais vous la montrer en français tout à l'heure, mais juste pour que vous puissiez voir ce que ça donne. C'est un exemple de ce que donne Milman Parry dans sa thèse. Voilà un vers que vous pouvez dire de 9 manières différentes. « Ton dos un nos e polutlas dios odiseus »« Ten dos un nos » etc. Donc, vous pouvez commencer par l'un des trois. Au milieu, vous avez un groupe verbal, et ensuite vous avez un sujet, vous avez aussi les trois. En traduction, ça vous donnerait ça. De lui, d'elle ou d'eux, s'aperçut, l'endurant Ulysse le divin, erra la déesse au bras blanc, le divin Achille aux jambes énergiques. Alors, vous croisez comme vous voulez, hein, d'eux s'aperçut, erra la déesse au bras, ou d'elle s'aperçut, le divin Achille, etc. Les formules sont là, elles sont données, et c'est le matériel qu'utilise le poète. Or, que racontent alors ces poèmes formulaires qui sont transmis oralement? La transmission orale formulaire, on pourrait dire au fond, pourquoi faut-il une forme poétique? La forme poétique est une manière de conserver l'information. Pensez à la manière dont les paroles d'une chanson vous reviennent si vous avez la mélodie en tête. Donc, c'est la raison pour laquelle, du reste, Platon, dans ses lois, dit qu'il faut chanter les lois. Les lois doivent être chantées, non pas parce que c'est particulièrement beau comme parole, mais parce que la musique garantit la conservation du texte tel qu'il est au départ. Alors, que racontent ces poèmes? Là, c'est un autre universitaire américain qui entre en jeu, c'est Eric Havelock.
mort en 1988, Eric Havelock, qui a été professeur à Yale, là il est photographié à Yale, a écrit un livre qui s'appelle très curieusement Préface à Platon, Preface to Plato, paru en 1963 et qui est devenu rapidement un classique. Que vient faire Platon dans l'affaire? Bien, comme vous le savez, Platon bannit les poèmes homériques de sa République. Et Havelock dit, il doit y avoir une raison. C'est pas parce que Platon a mauvais goût ou qu'il est plus bête que nous. Il y a une raison pour laquelle il est opposé aux poèmes homériques. Et il est opposé aux poèmes homériques parce que c'est la culture orale, la culture de l'oralité. C'est à ça qu'il est opposé. Donc, Havelock analyse ce que c'est que cette culture de l'oralité à laquelle Platon s'oppose. Et sa démonstration conclut que les poèmes transmis oralement constituent l'encyclopédie orale du groupe, l'encyclopédie orale de la société. On disait dans l'Antiquité qu'on pouvait tout apprendre dans Homère, et on y reviendra. Il y a en effet des informations qui sont contenues là et qui vous enseignent un certain nombre de choses. L'épopée, c'est donc l'encyclopédie orale d'une société, et c'est ainsi que procédaient nos ancêtres les Gaulois. Voici un petit extrait de la guerre des Gaules de Jules César au livre 6, chapitre 14. On dit qu'auprès d'eux, donc auprès des druides, ils apprennent par cœur un nombre considérable de vers. Aussi plus d'un reste-t-il 20 ans à l'école. Ils estiment que la religion ne permet pas de confier à l'écriture la matière de leur enseignement. Alors que pour tout le reste, en général, pour les comptes publics et privés, ils se servent de l'alphabet grec. Et en effet, lorsque Jules César a vaincu les Helvètes à Bibracte, il dit qu'il a trouvé dans leur bagage des documents administratifs qui étaient écrits en lettres grecques. Donc ici, on utilisait les lettres grecques pour écrire le gaulois, bien entendu le celtique. Mais on ne mettait pas ça par écrit, la culture était mémorisée. À partir de là, on peut se demander quelles sont les traces qu'on pourrait avoir, je vais vous expliquer ce que ce schéma veut dire, quelles sont les traces qu'on pourrait lire encore du passage par l'oralité. Alors je vous en donnerai deux, je vous épargne une démonstration trop longue, mais un premier exemple est amusant parce qu'il nous explique pourquoi nous disons Ulysse et Odyssée. Pourquoi disons-nous Odyssée et Ulysse? Pourquoi pas Ulyssée, hein? L'Odyssée est l'histoire d'Ulysse, donc ça devrait être l'Ulyssée. Et pourquoi on n'appelle pas Ulysse Odysse, puisque c'est Odysseus, son vrai nom dans... Et alors vous voyez, ça remonte très loin, puisque le nom même d'Ulysse est transcrit diversement. Je vous donne des exemples avec le trait caractéristique qui les différencie. Vous avez des transcriptions Olluxeus ou Olluseus, et des transcriptions Odysseus. Dans Olluxeus, vous reconnaissez Ulysse, hein, le L de Ulysse. Dans Odysseus, vous reconnaissez le D de Odyssée. Vous avez ici une petite poterie du Cabirion, donc c'est la région de la Béotie, qui vous montre, c'est des poteries qui sont caricaturales. Vous voyez un Ulysse caricaturé en train de chevaucher des vases qui sont sur les flots, et le vent Boreas est en train de souffler dans son dos. Et il est appelé Olluseus, vous voyez, Olluseus, avec le L. Pourquoi y a-t-il cette variante? Eh bien, l'alternance du L et du D indique que le nom original comportait un son intermédiaire entre la liquide et la dentale, entre le L et le D. Ce son, il est identifié par les phonéticiens, et il porte le nom poétique de battu apico-alvéolaire. Le battu apico-alvéolaire, nous ne nous en servons pas. Les Grecs non plus. Étant donné qu'ils ne s'en servaient pas, ils ont entendu ça diversement. Il y a ceux qui ont entendu « e », il y a ceux qui ont entendu « de ». Mais pour nous, c'est la preuve que le nom d'Ulysse n'est pas un nom grec. C'est un nom qui vient d'ailleurs d'une autre épopée qui n'a pas été écrite, mais transmise oralement. Ulysse apparaît d'abord dans une langue qui n'est pas le grec, et est transmis oralement, et c'est un héritage. Alors là, on a des noms qu'on peut mettre en avant, puisque Thucydide, au 5e siècle, nous dit qu'avant que les Grecs soient là, il y avait d'autres gens, évidemment, c'était des Cariens, des Lélèges ou des Pélages. Alors, vous avez le choix.
c'est les uns ou les autres qui avaient ce personnage d'Ulysse, qu'on a du reste analysé, qui a l'air d'être plutôt un farceur au départ qu'un roi, et qu'on a fini par joindre à l'expédition de Troie. Un autre indice, ce sont les formules de l'Iliade qui ont existé avant notre Iliade. L'ancienneté de certaines formules, on peut la montrer parce qu'il faut les scander en remettant la forme mycénienne. Alors, qu'est-ce qu'on appelle mycénien? On nomme grec mycénien le grec écrit au XIIIe siècle avant notre ère sur les tablettes de Knossos, de Pylos ou de Mycène. Et là, Thucydide disait déjà à propos de Mycène, c'est parce que en son temps, c'est parce qu'il était en son temps le chef le plus puissant qu'Agamemnon put, selon moi, rassembler les membres de son expédition, et non parce que les prétendants d'Hélène se trouvaient liés par des serments faits à Tindare. Donc c'est une question de puissance politique. D'où le mot qui s'est maintenant imposé, on dit période mycénienne, période où domine la civilisation de Mycène. Voilà comment se présente une tablette mycénienne. C'est ici une tablette en forme de feuille de palme, il y a d'autres formes, vous en verrez une autre, mais c'est écrit avec un système qui a été déchiffré finalement en 1952. On reviendra à cette tablette parce qu'on l'a appelée la quasi-bilingue. Vous pouvez voir qu'il y a dessus des dessins très explicites. Si vous prenez la dernière ligne, donc vous avez un fac-similé et une photo, le fac-similé est plus lisible, la dernière ligne, vous pouvez voir qu'il y a un idéogramme de vase à trois anses et un idéogramme de vase qui n'a pas d'anse. Donc c'est une quasi-bilingue et elle a servi à conforter le déchiffrement. Il faut rendre ici hommage à une femme qui s'appelle Alice Cowper et qu'on a un peu oubliée. C'est elle à qui on doit le pas décisif vers le déchiffrement du mycénien. Malheureusement, elle est morte d'un cancer à 43 ans, 2 ans avant le déchiffrement. Mais c'est elle qui, dans des conditions très difficiles, elle vivait à New York, c'était la guerre, il y avait des rationnements, elle a utilisé des bouts de papier et des cartons à chaussures pour faire des fiches, elle a fait 180 000 fiches, et elle a trouvé que cette langue, dont on savait déjà 2 ou 3 choses, vous voyez, si on regarde, je reviens un tout petit peu en arrière, si on regarde, on voit que d'abord il y a des séparateurs entre les mots. On voit quel est le sens de l'écriture, parce qu'on a un texte puis l'idéogramme, un texte puis l'idéogramme, on a le sens de l'écriture. On peut compter le nombre de signes utilisés, il y en a 90. Quand vous avez 90 signes, ce n'est pas un alphabet. Ce n'est pas non plus un système idéogrammatique, c'est un syllabaire. Chaque signe doit avoir consonne plus voyelle. Donc tout ça, on le savait. Mais à partir de là, elle a mis au point un système qui lui a permis, avec des grilles, de fournir à Michael Ventris les bases sur lesquelles il est parvenu en 1952 à déchiffrer et à trouver que c'était du grec ancien. Grec de 500 ans antérieur au grec homérique. Donc c'est comme si on trouvait du français du 13e ou du 14e siècle. Hein, donc c'est beaucoup plus ancien. Et c'est là que remettre les formules homériques dans cet habit-là va nous être utile pour attester le passage par l'oralité. Ventris est un cas tout à fait extraordinaire. C'est un personnage qui a vécu en Suisse depuis son enfance pour des raisons de santé. Il parlait parfaitement le suisse allemand, mais aussi le polonais, mais aussi l'anglais, mais aussi un polyglotte. Il a fait des études d'architecture, mais il s'est toujours passionné pour cette question. Il avait assisté à une conférence de Evans, le découvreur de Knossos, comme du reste Alice Cowper aussi. Et en 1950, il envoie un questionnaire à toutes les personnes qui sont intéressées par le déchiffrement de ce qu'on appelait les tablettes crétoises. On dit linéaire A et linéaire B. Ça, c'est Evans qui a trouvé parce qu'il a vu qu'il y avait des styles différents de ces écritures linéaires. Ça, c'est donc du linéaire B qu'on a déchiffré et qui a donné du grec. En 1952, voilà, il envoie une work note à tous ses correspondants qui lui avaient envoyé des indications pour leur dire, écoutez, c'est raté, je suis tombé sur du grec, je me suis donc trompé. Pourquoi? Parce que lui était persuadé que ça devait être de l'étrusque. Il se référait à l'Énéide avec le passage des Troyens par la Crète, puis le rétablissement en Italie.
Et donc, il disait, voilà, ce qu'on trouve en Crète à cette époque-là, c'est le passage des Troyens, et donc ça doit être de l'étrusque. Comme ce n'est pas de l'étrusque, je me suis trompé, je crois que c'est du grec parce qu'on est en Grèce et que je suis victime d'une illusion. Eh bien, pas du tout. La preuve a été donnée par ce texte que lui ne connaissait pas. Personne n'avait encore travaillé sur ce texte. Il venait d'être déterré à Pylos. Et c'est Blegan, l'archéologue, qui a pris le déchiffrement proposé par Ventris. Il a regardé cette tablette parce qu'il s'est dit, tiens, là, il y a des idéogrammes clairs. On va voir si ça marche. Or, ça marche à tel point que, pour reprendre juste la dernière ligne, vous avez Kveto Mewio Tireowe, donc un vase de petite taille à 3 anses, dit le texte, et il regardait le dessin, et puis c'est presque un gag final. La dernière rubrique dit un vase de petite taille dépourvu d'anses, et il n'y en a pas. Donc, Avec ce texte-là, on avait la confirmation, au point qu'il y a des journalistes qui ont répondu le mythe selon lequel tout le déchiffrement reposait sur ce texte-là. Mais ce texte n'était pas aux mains des déchiffreurs, et les 180 000 fiches de Madame Colbert et tout son travail, bien entendu, ne reposent pas là-dessus, et petit à petit. Donc le déchiffrement s'est imposé. Or, que peut-on voir grâce à ce grec mycénien? Tout d'abord, il y a des échos de la poésie dans ces textes qui sont purement des textes administratifs. Ces textes sont écrits sur de la terre qui a été séchée au soleil et qui a brûlé dans l'incendie des palais où ces documents étaient stockés. Donc sans la guerre et sans les incendies, on ne les aurait pas. Preuve, à Mycène, dans le palais de Mycène, on n'a pas trouvé de tablette parce que ça n'a pas été incendié, donc ça n'a pas cuit. Hein. Donc là, vous avez une tablette de Pylos, dont la première ligne vous dit « rameurs qui doivent se rendre à Pleuron ». Eretai Pleuron adiantes. Les poèmes homériques sont écrits en ce qu'on appelle les hexamètres dactyliques. C'est un nom qui fait un peu savant comme ça. Hexamètre, ça veut dire six pieds. Et dactylique, c'est la forme des os du doigt. Hein. C'est donc un os long, deux os courts. Donc, mais nina ei detea. Le premier vers de l'Iliade. Vous avez 6 fois pam 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 pam. Eretai pleuron adiantes. C'est une fin d'hexamètre. Donc vous avez sur ce document administratif qui recense des gens, juste pour vous amuser, à la troisième ligne, le toponyme d'où doivent venir les. Ils sont 5, il y a 5 rameurs qui doivent venir de Rion. Rion, c'est encore un nom actuel en Grèce au bord de la mer. Donc on l'a ici au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc les gens qui écrivent, ils ont apparemment des formules hexamétriques dans la tête. Il n'est pas impossible que ce soit les mêmes qui savent par cœur tout le savoir qu'il faut savoir par cœur et qui maîtrisent l'écriture, là où il faut utiliser l'écriture. Donc on a ici une trace, mais il y a des fautes métriques dans les poèmes homériques, et dans l'Iliade en particulier, qu'on ne peut expliquer que si on revient à l'état mycénien de la langue. Par exemple, une formule qui dit « l'égal de Zeus pour la sagesse », vous avez 2 syllabes brèves dans des positions où il faudrait des longues. « Dii me tin atalantos », c'est ça que ça devrait donner. Mais « i » c'est bref, et « tin » c'est bref. Alors que, si on rétablit la formule mycénienne, c'est di wei me tin sum talantos avec un voyelle, comme ça se trouve encore en sanskrit par exemple. Donc, dans l'état mycénien de la langue, cette formule est parfaite. Donc, elle date de cette époque-là. Donc, elle a été transmise oralement et on ne l'a pas changée, on n'a pas réussi à l'adapter à la nouvelle forme. Ça rappelle un peu ce qui nous arrive quand nous racontons à nos enfants le petit chaperon rouge et qu'à un moment donné, on tire la bobinette et la chevillette cherra. Nous n'avons plus de bobinette, nous n'utilisons plus le futur du verbe choir. Néanmoins, n'est-ce pas, ça fait partie et donc la formule reste charriée par le récit. Cette formule a été charriée par le récit. En voilà une autre qui est l'exemple inverse. L'ipus Androteta caeven, l'âme du guerrier qui meurt, quitte son corps, abandonnant son énergie
et sa jeunesse. Likusa abandonnant Androteta, son énergie masculine, hein, Androteta, et sa jeunesse. Il faudrait une brève. Or, on a une longue. L'épouse Androteta, ça ne va pas. Alors que si on le rétablit avec le R voyelle, que vous avez encore aujourd'hui en slovène, par exemple, si vous conduisez en direction de Trieste depuis le sud, vous avez des panneaux indicateurs qui vous disent Trst, hein, pour Trieste, c'est Trst, R est une voyelle. Alors, l'épouse Androteta Kairebel, c'est parfait. Donc là aussi, nous avons une formule qui date de l'époque messianienne et on va la retrouver, cette formule-là. C'est pour ça que je me suis permis d'insister. Vous verrez, elle joue un rôle dans la cohérence du récit de l'Iliade. Donc, il y a des formules qui ne peuvent fonctionner que lorsqu'on les prononce selon l'état de la langue au moment de la guerre de Troie. Elles attestent que les épopées circulaient longtemps avant la mise par écrit de notre Iliade. Et Homère dans tout ça, est-ce qu'il est à l'origine ? C'est la position des analystes qui vous disent au départ, il y a eu un poète, puis après on a rajouté des morceaux. Ou est-ce qu'il est à l'arrivée? Ça, c'est la position des unitaristes. Ils disent voilà, alors je vous ai fait un petit schéma, les analystes, ce serait à peu près ça, vous avez Homère, et puis vous voyez les récits qui viennent s'accoler à gauche et à droite et pour nous donner l'Iliade. Les unitaristes, au contraire, vous avez des récits qui se promènent, et puis vous avez Homère qui en fait l'Iliade. C'est un peu pour comparer ce qu'on a avec Wagner qui fait la tétralogie, hein, qui prend les mythes nordiques et qui fabrique la tétralogie avec ça. Donc on aurait un Homère qui est le rassembleur et qui en fait un poème unique. Alors, peut-on considérer que cette œuvre n'est pas un ramassis de morceaux épars? Il y a un indice important, c'est la mise en abîme. Alors comme nous n'utilisons pas ce mot tous les jours, je me suis permis de vous donner la définition de Wikipédia. La mise en abîme, également orthographiée, mise en abîme avec circonflexe, ou plus rarement mise en abîme avec YSME, est un procédé consistant à représenter une œuvre dans une œuvre similaire, par exemple dans les phénomènes de film dans un film, ou encore en incrustant dans une image, cette image elle-même. Nous avions un spécialiste à Genève, c'était Lucien Lellenbach, qui avait fait sa thèse sur le récit spéculaire, donc la mise en abîme dans le récit. Vous connaissez ça par des publicités, vous avez la vache qui rit, hein, qui porte sa propre image est répétée dans l'image. Un niveau un peu plus noble, vous avez ça dans les armoiries royales du Royaume-Uni, où vous voyez que les éléments qui sont en grand sont reproduits sous la couronne en plus petit. Ce qui est intéressant ici, c'est plus petit et légèrement différent. Il faut qu'il y ait une différence pour que ce soit une mise en abîme. Mais ce qu'on cite d'habitude, évidemment, c'est le tableau célèbre de Van Eyck, Les époux Arnolfini, qui date de 1434, où vous voyez les époux de face, mais vous remarquez qu'il y a un miroir au fond de la pièce. Et dans ce miroir, bien entendu, on les voit de nouveau, mais cette fois-ci à l'envers. Et alors, c'est plus petit, c'est légèrement déformé, et en plus, vous voyez le peintre. Hein? Le peintre est visible puisque lui il se reflète dans le miroir. Alors, est-ce que dans une mise en abîme on peut aussi voir l'auteur? Je pense que c'est le cas pour l'Iliade. Dans l'Iliade, au premier chant, Achille quitte le combat sous l'effet de ce sentiment de ménisme, de colère qui l'anime. Au neuvième chant, Agamemnon lui envoie une ambassade pour le faire revenir. À cette occasion, Phénix raconte à Achille l'histoire de la guerre de Calydon. Cette guerre est une mise en abîme de l'Iliade. Voilà ce qui se passe. À gauche, vous avez la guerre de Calydon, racontée en quelques centaines de vers. Vous avez une cité assiégée, les Courettes et les Étoliens se font la guerre. Les Étoliens défendent la ville de Calydon, les Courettes l'attaquent. Cité assiégée, donc. Comme dans le cas de Troie qui est assiégée. À gauche, vous avez Calydon, à droite, vous avez Troie. Donc Troie également assiégée. Dans la guerre de Calydon, vous êtes du côté des assiégés. De l'autre côté, miroir, vous êtes du côté des assiégeants. À Calydon, le roi Méléagre est en dispute avec sa mère. Je vous épargne les raisons pour lesquelles il est en dispute avec sa mère. Il est en dispute. Du côté des Grecs,
c'est le jeune roi qui est en dispute avec le vieux roi. C'est Achille en dispute avec Agamemnon. Le roi de Calydon reste auprès de sa compagne qui s'appelle Cléopâtre. Le roi Achille reste auprès de son compagnon qui s'appelle Patrocle. Et tous deux finissent par céder parce qu'ils voient qu'ils doivent intervenir, mais ça sera pour la seule gloire. Les biens qu'on leur a promis en échange de la reprise du combat, ils ne les auront pas parce qu'il n'y aura plus moyen de les payer. Bien. Remarquez que Cléopâtre et Patrocle, c'est le même mot à l'envers. Ça veut chaque fois dire la gloire paternelle. Cléopatra, Patrocles. Donc, on a un effet miroir dans les personnages. Dans le cas, c'est un homme, dans le cas, c'est une femme, assiégeant, assiégée. Donc, vous avez une véritable mise en abîme de l'ensemble du poème. Personne ne peut faire ça s'il n'a pas en tête la structure de l'ensemble du poème. Donc, c'est un des indices qui permet de dire, vous voyez, il y a quelqu'un qui a conçu ce tout, ce n'est pas ein Flickwerk. Ou alors, c'est un Flickwerk extrêmement bien agencé. Un autre indice, ce serait les symétries, d'une part, et les cohérences dans la démarche. Les symétries, si vous regardez le début et la fin, au début de l'action, vous avez un vieillard. La première chose que vous voyez, c'est ce vieux prêtre, Chrysès, qui se rend chez l'ennemi pour récupérer sa fille, et il bénéficie de la protection divine d'Apollon. À la fin du poème, vous avez un vieillard, un autre, le roi Priam, qui se rend chez l'ennemi pour récupérer le cadavre de son fils et il bénéficie d'une protection divine qui est celle d'Hermès. Vous avez donc des pendants ou deux bouts. Autre symétrie, un duel, un premier duel au champ 3, quand on se dit ça va être bientôt fini cette Iliade parce qu'il décide qu'il faut que se batte en duel d'une part Ménélas et d'autre part Paris qui a enlevé la femme de Ménélas. Et l'enjeu, c'est Hélène vivante. Et puis, il y a un dernier duel qui sera celui d'Achille et d'Hector au champ 22. Et l'enjeu, c'est Patrocle mort. Dans les deux cas, des dieux interviennent. Aphrodite vient arracher Paris à Ménélas, autrement Ménélas l'aurait tué. Et du côté du duel d'Achille et d'Hector, c'est Athéna qui vient tromper Hector pour qu'Achille puisse le tuer. Donc, chaque fois, les dieux interviennent. Donc, une nouvelle symétrie. Au premier chant, on voit Athéna empêcher Achille de tuer Agamemnon. À un moment donné, quand il se fâche, il y a ce moment extraordinaire où Achille tire son épée et Athéna arrive à côté de lui. Il est le seul à la voir. Et non seulement il est le seul à la voir, mais personne ne se rend compte que le temps s'est arrêté. Parce que Athéna parle un bon moment à Achille pour lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il tue Agamemnon. Et puis, au bout de quelques dizaines de vers, Achille remet son épée dans son fourreau, il renonce à tuer Agamemnon. Au dernier chant, c'est Hermès qui empêche Achille de tuer Priam, en expliquant à Priam comment il va procéder pour que Achille ne se fâche pas contre lui et ne revienne pas sur l'ordre qu'il a reçu de Thétis de lui rendre le cadavre d'Hector. Au centre arithmétique du poème, donc à peu près 16 000 vers en tout, donc au chant 13, on voit Zeus au début se détourner du combat, puisque jusqu'alors il favorisait les Troyens pour venger Achille à la demande de Thétis. Il estime que ça c'est fait, et c'est à ce moment-là que Poséidon revient pour se mêler au combat, et lui, il pousse les Grecs, puisque lui, il veut se venger des Troyens qui ne l'ont pas payé parce qu'il a construit les murailles de Troie et qu'on ne l'a pas payé. Donc au milieu, vous avez ce changement de force divine. L'un renonce, l'autre entre, prendre la place. Les autres indices sont la cohérence de l'intrigue et la cohérence des moyens mis en œuvre, et ça, on en parlera en troisième partie. Mais on est donc fondé à considérer l'Iliade comme une œuvre issue d'une vision cohérente. Petite parenthèse, nous avons eu un fondateur des études grecques à Genève, c'est François Portus. Et François Portus
avant de prendre ses fonctions en 1562 à l'Académie de Genève, avait fait une édition, non plutôt après, il a fait une édition de l'Iliade. Vous voyez, c'est donc l'édition qui est précédée de Triphiodore et de Colontos. Donc toute la matière de Troie se trouve dans ce livre édité par Portus. Portus, qui est le fondateur des études grecques à Genève, dans ce sens que Calvin a réussi à l'arrêter ici, et lui venait de Crète, en passant par l'Italie. Donc, notre université a la chance d'avoir par lui un lien direct avec l'Antiquité et avec le monde grec. Fin de la parenthèse, et on en vient aux réalités guerrières du monde homérique, deuxième morceau de notre petite promenade. Alors, il y a un personnage qui a joué un rôle essentiel, c'est le légendaire Schliemann, Heinrich Schliemann, homme d'affaires qui fait fortune, établi à Saint-Pétersbourg, qui croit à la réalité de ce que racontent les poèmes homériques, alors que la tendance dans l'érudition de l'époque consistait à dire tout ça est imaginaire, il ne faut pas penser qu'on trouvera quelque chose sur le terrain. Lui, il veut retrouver les restes de ce que raconte l'Iliade. Et il apprend par conséquent le grec, il apprend aussi, paraît-il, dans le train entre Saint-Pétersbourg et Constantinople, Istanbul, il apprend le turc pour pouvoir demander au sultan la permission de faire des fouilles sur la colline de Hisarlık. Alors Hisarlık, en turc ça veut dire en forme de forteresse, hein, Hisarlık. On avait remarqué depuis un certain temps déjà, hein, des voyageurs, notamment britanniques, avaient remarqué qu'il y avait une colline qui pourrait être Troie. Et on pensait que ça, c'était peut-être la Troie ancienne. Il va là, il obtient sa permission de fouiller, il fouille et il trouve des restes. Il en trouve tellement qu'il ne sait plus très bien quoi en faire, parce qu'en fait, il y a 9 couches. Et ça remonte, c'est une de ces villes du Moyen-Orient où, après une destruction due à la guerre ou à un tremblement de terre, on rase et on reconstruit dessus. Alors, vous avez différentes couches. On pense que la Troie homérique, certains pensent que c'est le numéro 6, certains pensent que c'est la couche 7A, donc je ne vais pas entrer là-dedans, mais enfin, on a retrouvé des réalités. Madame Schliemann, une jeune grecque qu'il a épousée, Sophie Schliemann, porte même ici les bijoux du trésor de Priam, ce trésor de Priam qui a fait tellement parler de lui il y a quelques années, trésor qui avait été amené au musée de Berlin, que les soviétiques ont emporté à Moscou, ils en ont fait une exposition, et on a dit à l'époque que c'était quand même curieux que Schliemann ait trouvé ce trésor le seul jour où tous les ouvriers étaient partis en vacances. Il était tout seul sur le champ de fouilles, et puis ça ressemble aux choses qu'on pouvait acheter chez les antiquaires d'Istanbul. Donc il y a des gens qui ne croient pas du tout à l'authenticité du trésor de Priam, mais enfin cette photo est célèbre de Madame Schliemann portant les bijoux du trésor de Priam. Il y a d'autres objets de cette époque qui alors sont intéressants pour nous. Vous avez ici un casque en dents de sanglier, et voilà la manière dont ce casque est décrit dans un passage de l'Iliade. Mérion lui ceint le front d'un casque en cuir. Ce casque, à l'intérieur, est fortement tendu de nombreuses courroies. À l'extérieur, des dents blanches de sanglier se dressent en grand nombre, à différents endroits savamment disposés. Le fond contient du feutre. Voilà donc un casque que Ulysse met sur sa tête et qu'on a retrouvé ensuite, non seulement à Troie, mais on en a retrouvé en Grèce continentale. Et donc, c'est un objet décrit dans l'Iliade, mais qui n'était plus du tout en usage à l'époque de la mise par écrit des poèmes homériques. C'est vraiment un reste mycénien charrié ici par le texte. Vous avez une armure d'une tombe de Mycène. Le nouveau musée archéologique de Mycène est maintenant à Mycène même. Et là, vous avez une armure complète de l'âge du bronze. Or, c'est bien ainsi que les poèmes homériques décrivent les guerriers. Ils sont cuirassés de bronze, ils ont des jambières de bronze, donc leurs armes sont de bronze. Vous avez une armure complète ici, trouvée dans une tombe de Mycène. Vous avez des armes homériques décrites sur une tablette de Knossos en Crète. Vous voyez qu'il y a le nom d'un personnage, puis ensuite vous avez un thorax, un char de guerre et des chevaux. Et ici, il faut rappeler que lorsque dans l'Iliade, on parle de chevaux, on veut toujours parler de chars de guerre tirés par des chevaux.
On ne monte pas sur des chevaux, sauf dans un passage de l'Iliade dont on pense qu'il est peut-être plus tardif que l'autre, la Deuxième. On a trouvé à Pylos un catalogue des vaisseaux, comme celui de l'Iliade. Vous avez un dispositif dont il est dit au début, voici comment on dispose les protecteurs des côtes. Et on a mis ça en rapport avec les invasions des peuples de la mer. Mais l'essentiel, c'est que vous avez une subdivision des gens qui sont dans différentes... Soit ce sont des bateaux, alors ce serait un catalogue des vaisseaux à la manière homérique, soit ce sont des détachements, mais c'est un inventaire de guerriers qui fait penser au catalogue homérique des vaisseaux. Enfin, reconstitution, là vous avez, c'est évidemment pas un personnage d'époque, mais on lui a mis une version luxueuse d'armure mycénienne. Et puis vous avez, de l'époque mycénienne, le célèbre vase des guerriers, donc 13e siècle avant notre ère, trouvé à Mycène, où vous avez les guerriers dont vous voyez qu'ils ont un bouclier court, ce qui les force à porter des jambières. Eucnemides Achaio, donc les Achéens ou belles jambières, c'est une épithète traditionnelle qu'on trouve dans les poèmes homériques et qui est ici figurée sur ce vase des guerriers. On a par ailleurs reconstitué, bien entendu, la forteresse de Mycène, et c'est bien la forteresse de Mycène, puisque la ville de Mycène, elle serait, par rapport à la forteresse, elle serait de notre côté, enfin, on serait sur au-dessus de la ville pour regarder la forteresse. Et je vous disais tout à l'heure qu'on n'avait pas trouvé de tablettes brûlées et cuites dans la forteresse, mais on en a trouvé dans les maisons extérieures, notamment chez un parfumeur, parce qu'il y a toute une série d'épices qui sont mentionnées dans ces tablettes. Donc la guerre a atteint Mycène, mais la forteresse est sans doute restée imprenable. Et puis bien entendu, on a reconstitué Troie, à partir des restes qu'on a trouvés sur le terrain. Il y a même eu quelques années un archéologue allemand qui s'est taillé un succès éphémère parce qu'il a dit que Troie, en fait, c'était l'Atlantide. Et alors, les journalistes allemands se sont rués sur lui et l'ont appelé « Der Einstein, der Antike », puisqu'il avait mis le signe égal entre deux choses, comme avait fait Einstein. Enfin bon, les recherches n'ont pas prouvé que les ruines de Troie correspondaient aux descriptions de l'Atlantide comme on les a chez Platon. Passons alors à une signification possible de l'Iliade et par conséquent à ce fameux point d'interrogation qui nous intéresse. Le squelette de l'intrigue, il est connu. Au siège de Troie, Achille et Agamemnon se disputent à propos d'une captive. Agamemnon impose sa volonté, Achille furieux se retire du combat, son absence avantage les Troyens, les Grecs accablés tentent de le remplacer, puis de regagner Achille. Ce dernier accepte finalement d'envoyer au combat un substitut, son ami Patrocle. Hector tue Patrocle. Achille revient alors au combat et tue Hector. Ça, c'est, si vous voulez, le squelette. Hein. Autour, bien entendu, il y a toute la chair. Les faits se déroulent au cours de la 10e et dernière année de la guerre de Troie. Vous vous rappelez Aristote félicitant Homère de ne pas avoir raconté toute la guerre, d'avoir pris un épisode significatif. Ils s'étendent sur une quarantaine de jours. Donc tout ça se passe en peu de temps, c'est quelques 16 000 vers. C'est une quarantaine de jours et même... Certaines séries de journées sont dites simplement par un chiffre. Il y a 9 jours pendant lesquels Apollon répand la peste dans l'armée des Grecs pour les amener à rendre la fille du prêtre Chrysès. Il y a 12 jours de trêve pour les funérailles d'Hector. Donc il y a des grandes tranches dans ces 40. Donc l'essentiel de ce qu'on nous raconte, c'est sur 5-6 jours en fait. Le reste, c'est les délais qui sont donnés. Il comporte un important volant d'intervention divine. La guerre de Troie fait elle-même partie d'un plan divin, ainsi que les répercussions sur le plan humain. Le plan divin, au cinquième vers, on nous dit, c'est la volonté de Zeus qui s'accomplissait. Qu'est-ce que c'est que cette volonté de Zeus? Eh bien, l'Iliade ne le dit pas. Mais on sait par les chants cypriotes d'un poète, qui est un poète homérisant, Stasinos, à peu près de la même époque, qu'il y a eu un problème, la terre s'est plainte aux dieux qu'elle était trop chargée d'humains. Et Zeus a donc décidé qu'on allait fabriquer des guerres pour débarrasser un peu tout ce monde.
Si vous vous rappelez le Mahabharata, la grande épopée des Indiens, proportion, Mahabharata à peu près 100 000 vers, il y a des Odyssées additionnées 27 000 vers, donc beaucoup plus long. Mais ça commence comme ça. La terre est surchargée, elle demande aux dieux, et la guerre racontée dans le Mahabharata, elle est motivée par le fait que la terre est surchargée. Donc on a ici une relation thématique entre l'Orient et la Grèce qui est intéressante. Probablement que le poète de l'Iliade n'a même pas besoin de l'expliquer parce que les gens le savent. De même qu'il n'a pas besoin de leur dire qui est Zeus ou qui est Héra, les gens le savent. Alors, l'Iliade est-elle un poème de la guerre? Oui, d'abord, il y a des évocations guerrières. Ça, il n'y a pas de doute. Il est question de guerre. Je prends une évocation générique au 13e chant. Le combat ne fit plus qu'un seul bloc et tous brûlèrent de s'égorger dans la mêlée avec le bronze aigu. Le combat meurtrier se hérissa de longues piques dont ils taillaient les chairs et leurs yeux étaient éblouis des lueurs que jetaient les reins des casques scintillants, des boucliers brillants et des cuirasses bien polies, tandis qu'ils s'avançaient en bloc. Seul, un cœur endurci, loin de s'en plaindre, eut pris plaisir à voir une telle besogne. C'est la traduction de Frédéric Mugler, donc je vous citerai toujours dans la traduction de Frédéric Mugler. Donc vous voyez, il y a une espèce de jouissance dans la description de ses armes, sa brille, et puis c'est à la fin, tout à coup, qu'il y a une prise de distance. Attention, là, seul un cœur endurci, loin de s'en plaindre. Bon. Mais enfin, il y a pire. Il y a des passages qui sont carrément horrifiques. Et on se demande quelle est l'intention du poète. Est-ce qu'il veut glorifier ou est-ce qu'il veut horrifier? Moi, ça me fait toujours penser, quand je lis ces passages-là, à ce reportage que la télévision polonaise avait réalisé sur la Corée du Nord. Ils avaient obtenu la permission des Coréens du Nord de faire un reportage à condition de montrer exactement ce qu'on leur dirait de montrer. Et les Polonais ont eu cette idée géniale de faire exactement ça. Et c'était la pire accusation qu'on pouvait porter contre le régime de la Corée du Nord. Tout ce qui était censé les glorifier se retournait contre eux quand on le montrait simplement comme ça. Peut-être qu'il y a une intention de ce genre derrière un passage comme celui-ci. C'est au chant 16, je n'ai pas besoin de vous donner toujours les références. « Ce ne fut pas en vain car cette pierre, lancée au bord tranchant, atteignit en plein front le cocher d'Hector, Cébrion, bâtard de l'illustre Priam, qui maintenait les rênes. Elle broya les deux sourcils. L'os ne l'arrêta point, et les yeux du héros churent au sol dans la poussière devant ses pieds. Tel un plongeur, il tomba de son char bien ouvragé, et la vie aussitôt quitta son corps. » Encore, Idoménée atteignit Erymas près de la bouche. Le bronze impitoyable, s'ouvrant un chemin tout droit, plongea sous le cerveau et lui écrasa les os blancs. Les dents sautèrent sous le choc et le sang inondant les deux yeux jaillit par le nez et la bouche béante, tandis que la mort le couvrait d'une sombre nuée. Un petit dernier. Lors le destin frappa Diorès, fils d'Amarincé, un gros caillou pointu l'atteignit à la jambe droite, près du talon. L'auteur du coup était le chef des Thraces, l'Amrasie de Pyrrhos, qui arrivait tout droit à Dénos. La pierre, sans pitié, lui écrasa complètement les tendons et les os, et l'homme chute à la renverse dans la poussière. Pyrrhos, son vainqueur, courut vers lui et le frappa près du nombril. Lors, toutes ses entrailles coulèrent sur le sol et l'ombre recouvrit ses yeux. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des horreurs, mais quelle est l'intention dans la description de telles horreurs? Est-ce bien la glorification de la guerre? Vous voyez que même dans la description générique du combat, il y a une espèce de retenue à la fin. Pour aimer ça, il faut être bizarre, quoi. C'est un tout petit peu ça l'idée. Alors au-delà du détail, bien entendu, là on a vu les détails, regardons la position des dieux. Zeus, au 6e chant, lorsque Arès vient se plaindre qu'il a été blessé dans le combat, il s'est mêlé du combat et il a été blessé, Zeus lui dit ceci: « Tête à l'évent, ne viens pas ici gémir à mes pieds, je te hais plus qu'aucun des dieux qui vivent sur l'Olympe, car tu ne rêves que discorde, guerre et combat. Tu as bien l'esprit intraitable et têtu de ta mère, de cette Héra que j'ai grand peine à vaincre avec des mots. Si tu pâtis, c'est à ces bons conseils que tu le dois. Je ne veux pas pourtant te laisser souffrir davantage. Tu es mon fils
et c'est de moi que t'as conçu ta mère. Mais si quelque autre dieu t'avait fait naître si cruel, je l'aurais déjà mis plus bas que les fils d'Ouranos, donc dans le Tartare, et l'aurait envoyé dans le Tartare. Donc, le dieu suprême n'est pas un ami du dieu de la guerre. Et ici, il est assez intéressant de noter qu'on pourrait faire une classification des mythes et des peuples en regardant quel est le rang du dieu de la guerre dans leur mythologie. Est-ce que le dieu de la guerre est important? Est-ce qu'il va? Il est détesté à l'intérieur même de l'Iliade, qui est un poème racontant des combats. Les faits de guerre dans l'Iliade sont en fait englobés d'une manière générale dans la marche du monde. Je vais vous en donner quelques exemples. Au chant 11, comme des moissonneurs dans le champ d'un riche fermier s'avancent face à face et vont de sillon en sillon, faire tomber l'orge et le blé en épaisse javel, tels courant en avant, Troyens et Achéens frappaient à mort sans qu'aucun d'eux songeât à la hideuse fuite. Donc, vous avez ces deux images qui se superposent, hein, ça fait penser un peu au cinéma d'Eisenstein, où vous avez d'une part des faucheurs et d'autre part des combattants. Mais la guerre fait donc partie de quelque chose qui est la marche du monde. Ici aussi, partout, du côté des Troyens comme des Achéens, le sang coulait sur le rempart et sur les parapets. Mais même alors, les Achéens ne songeaient pas à fuir. Ils tenaient comme ces plateaux qu'une ouvrière honnête équilibre de part et d'autre en pesant de la laine, ce qui lui vaudra quelque argent pour sa pauvre nichée. Ainsi s'équilibrait alors la lutte et la bataille. Donc une image humble d'une ouvrière qui fait un travail pénible pour nourrir ses enfants sert de parallèle à l'affrontement des gens sur les remparts. C'est la marche du monde, en somme, qui englobe les faits de guerre. J'en prends encore un qui me plaît particulièrement. Apollon fit crouler sans peine au cul le mur des Achéens, comme un enfant qui prend plaisir sur le bord de la mer à monter des châteaux de sable, puis les abat d'un coup de pied ou d'un revers de main. Ainsi, puissant Phoebos, tu abattis le dur labeur des Achéens et sema la panique dans leurs rangs. Vous voyez, le dieu qui sème la panique dans les rangs est comparé à un enfant qui joue sur la plage et qui donne des coups de pied dans son château de sable. Donc, une espèce d'acculturation, en quelque sorte, du phénomène de la guerre. Et, oh oui, j'avais encore celui-là, c'est le dernier. Comme une génisse plaintive se met auprès du jeune veau qu'elle vient d'enfanter, tel le blond Ménélas se teint aux côtés de Patrocle, le couvrant de sa lance et de son écu arrondi, prêt à tuer quiconque viendrait l'attaquer de façon. Cette fois-ci, c'est carrément la comparaison avec le monde animal, le monde des fermiers, la génisse qui protège son veau. Donc la guerre est solidaire de la marche du monde, et le faire apparaître dans les comparaisons relève de la tâche ordinaire de l'encyclopédie orale, hein, qu'on évoquait tout à l'heure. Il s'agit d'enseigner ce que c'est que le monde. Il y a dans le monde les enfants qui détruisent le château de sable, et puis il y a le dieu qui fait la même chose, et puis voilà, et puis c'est comparable. Même chose pour les autres comparaisons. Maintenant, bien entendu, revenons un petit instant à l'intrigue elle-même. Si je vous remets Aristote contemplant le buste d'Homère, c'est que pour Aristote, l'intrigue, c'est l'âme même d'une œuvre. Le mythos, c'est l'âme et la fin. Donc, l'intrigue elle-même, on peut se poser la question: d'où à où va-t-on? Quel est le point de départ de cette intrigue? Et quel est son point d'arrivée? Et de l'un à l'autre, quelle démarche peut-on observer? On a vu tout à l'heure que les symétries observables entre le début et la fin de l'Iliade attirent l'attention sur le fait que ces deux points du texte entretiennent des relations significatives. À la suite des observations sur les symétries au niveau général, il est possible d'aller plus loin dans l'examen des relations du début et de la fin de l'Iliade. Au début, il y a la colère d'Achille. Il y a un prince en dispute avec son camp. Quand on dit colère d'Achille, je me permets juste d'insister sur le mot bizarre qui est utilisé. Menin. On traduit par colère. Et Ronsard joue là-dessus, avec que tu sentiras combien pesante est ma colère. Menis, c'est un. Si vous regardez avec maintenant les moyens informatiques, c'est très vite fait, vous pouvez vérifier, c'est un sentiment divin. En principe, les êtres humains ne sont pas capables d'éprouver ça. Achille est un être divin, il ne faut pas oublier. Si on n'avait pas
marier de force la mère d'Achille à un mortel, si Zeus avait eu l'imprudence, comme il en avait l'intention, de coucher avec elle, Achille, l'enfant, devenait plus fort que Zeus. C'est ce qu'un oracle connu de Prométhée raconte à Zeus, et Zeus décide qu'on va marier cette Thétis à un mortel parce qu'on ne veut pas un rival qui prendrait l'Olympe à ma place. Donc Achille, c'est une apparition divine, il a une mère divine, et il aurait pu devenir le maître de l'univers si on n'avait pas éventé l'oracle selon lequel il serait supérieur à son père. Donc au début, colère d'Achille, un prince qui est en dispute avec son camp. À la fin, on a les funérailles d'Hector, dompteur de chevaux. Retenez bien ce dompteur de chevaux, j'y reviendrai. Mais les funérailles, c'est un prince en plein accord avec son peuple. Les funérailles, c'est le contraire d'une dispute. C'est le moment où les liens sociaux se refont, se resserrent. Et en plus, ces funérailles-là sont l'occasion d'une trêve dans la guerre. Donc on est exactement à l'opposé de la situation de départ. Au début, on a l'évocation des cadavres de guerriers laissés sans sépulture, proie des chiens et repas des oiseaux. À la fin, c'est les funérailles de guerriers avec la description précise du rituel. Donc ce qui ne peut pas se passer au début, c'est exactement ce qu'on décrit à la fin des funérailles suivant un rituel strict. La relation étant établie, il importe de saisir la démarche qui mène du premier point au dernier. Alors, un contraste apparaît au travers de ces oppositions symétriques. Au début, vous avez une dominante de dispute et de désordre. À la fin, vous avez une dominante de concorde. D'où une démarche de l'Iliade qui est le passage d'un état de dispute partielle, parce que c'est entre les chefs, et la Ménis d'Achille, dont je viens de vous parler maintenant, dispute aussi entre les dieux, dispute entre les dieux et les humains. Et puis l'état de concorde partielle aussi à la fin, parce qu'on nous dit bien que le combat va reprendre, et c'est les funérailles d'Hector. La démarche est lisible dans les premiers et les derniers mots. Les premiers mots, c'est Menin Achilleos et Hectoros Hippodamoios, c'est les derniers vers, chaque fois un génitif. Qui est donc la colère d'Achille, les funérailles d'Hector. Et sur cet adjectif de tonteur de chevaux, on reviendra tout à l'heure. Deux détails pour illustrer le désordre au début. Oionoisite daita, un repas pour les oiseaux. Zénodote, dont vous avez vu tout à l'heure le beau cadre de travail, puisqu'il travaillait à la bibliothèque d'Alexandrie, Zénodote trouvait que c'était ça la bonne leçon. Mais la plupart des manuscrits avaient oionoisité passi pour tous les oiseaux. Et alors, pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas que ce soit daïta? Ah, parce qu'on disait daïta, le repas, c'est un mot humain. C'est les humains qui procèdent à ça. Donc ça ne peut pas être pour les oiseaux. Justement, c'est là qu'est la subtilité. Le monde est chaotique au début de l'Iliade. Le monde est chaotique au point que les oiseaux se repaissent comme si c'était des humains. Ils mangent des humains et ils font des repas à la manière humaine. Un autre détail, c'est Apollon qui, fâché de ce qu'on a insulté son prêtre, va répandre la peste dans le camp des Grecs. Et il s'avance pareil à la nuit. Et vous voyez, Apollon, c'est Phoibos, hein, c'est le dieu de la lumière, et c'est pareil, il ressemble à son contraire. Donc vous avez dans ces petits détails des notations qui indiquent bien c'est le désordre qui s'est installé là. On est au début dans le monde du désordre, de la discorde. La concorde dans les derniers mots, alors j'en viens enfin à ce dompteur de chevaux. C'est une jeune helléniste française qui a remarqué ça. Pascal Brier Dubois, dans un article qui a paru l'an dernier, a remarqué que pour Hector, il y avait deux adjectifs. Soit il est tueur d'hommes, soit il est dompteur de chevaux. Et quand on prend les contextes, c'est absolument cohérent, sa démonstration est maintenant reçue. Lorsqu'il est dompteur de chevaux, c'est qu'on veut souligner qu'il est en accord parfait avec son peuple. Donc le dernier mot de l'Iliade, c'est le dernier mot d'Iliade, Hector, hippodamoio, c'est
le signe qu'on est dans la concorde parfaite. Non seulement la guerre s'est interrompue, mais celui qu'on enterre est qualifié par l'adjectif qui montre qu'il est en accord parfait avec son peuple. Donc, ces indices ne trompent pas et vont bien dans le sens de cette opposition. On a donc une progression qui va des oppositions du début à la ressemblance, à la concorde, à la fin. Comment est-ce qu'on procède? Il s'agit de remplacer Achille absent, puisque Achille, fâché de ce qu'on veut lui prendre sa captive Briseis, on la lui a prise du reste, se retire du combat. Alors au début, il s'agit de le remplacer. Vous avez donc cette première tranche du récit où c'est des gens comme Diomède, Ajax, qui par leur valeur guerrière essaient d'égaler Achille. Soit dit en passant, le papyrus Bodmer I, qui est un fragment de l'Iliade, il se situe dans ce passage-là de l'Iliade, c'est des passages du chant 5 et du chant 6, qu'on appelle la Diomédie, donc le moment où c'est Diomède qui essaie de se mettre à la place d'Achille. Ensuite, on avance d'un cran. Agamemnon entre dans le jeu. Donc, est-ce que par la valeur politique, par l'autorité politique, on réussira à remplacer Achille? Ça échoue également. Achille, ça échoue également. Ensuite, Patrocle. On en arrive à Patrocle par un dispositif très ingénieux. C'est d'abord le vieux Nestor qui conseille à Patrocle, puisque ça va tellement mal pour les Achéens, il lui dit « Demande à Achille de te prêter son armure. » Et puis tu te montres dans l'armure d'Achille. Ça va effrayer les Troyens. Ça suffira pour les effrayer. Patrocle, dans un premier temps, n'en fait rien, jusqu'au moment où son ami Macaon est rapporté blessé. Là, il se dit, je vais demander à Achille. Achille l'autorise à prendre son armure et à aller dans le combat. Simplement, Achille lui dit, tu ne prendras pas Troie, parce que ça m'est réservé. Donc c'est ma gloire à moi de m'emparer de Troie. Donc même si ça va très très bien pour toi, tu ne vas pas jusqu'à prendre Troie. Et Patrocle est à deux doigts de désobéir, hein, parce que s'il n'y avait pas Apollon qui était intervenu, il prenait Troie dans les armes d'Achille. Donc c'est la proximité, on se rapproche d'Achille. Donc on voulait le remplacer, ça ne marche pas, on se rapproche de lui, c'est son ami. Son ami Patrocle combat, revêtu des armes d'Achille. La mort de Patrocle, tué au combat par Hector, mais il faut l'intervention d'Apollon pour ça, provoque le retour d'Achille et il veut le venger, il veut venger Patrocle en tuant Hector. Un pas significatif dans la ressemblance, à la mort de Patrocle, Hector le dépouille de ses armes pour s'en revêtir. Hector est donc revêtu des armes d'Achille. Ces armes sont divines. Ce sont les armes qui ont été données au père d'Achille, Pélée, quand il a épousé Thétis, le mariage forcé pour que ce ne soit pas Zeus qui soit supplanté par son fils. Donc c'est les armes divines. Il revêt donc les armes d'Achille. Pendant ce temps, privé de ses armes, Achille obtient de sa mère divine Thétis qu'elle en fasse fabriquer de nouvelles par le forgeron divin Héphaïstos. Ce sont les armes dont se revêt Achille pour affronter Hector, revêtu des précédentes armes d'Achille. Le duel des deux mêmes. Tous deux sont revêtus d'armes divines et tous les deux sont revêtus des armes d'Achille. Tous deux sont le rempart de leur camp, tous deux sont voués à une mort prochaine. Donc vous voyez que l'étau se resserre autour de l'identité et de la ressemblance. Il y a convergence dans la mort et c'est là qu'on revient à la formule de tout à l'heure. L'âme s'envolant de son corps descendit chez Hadès, pleurant sur son destin, quittant la force et la jeunesse. Sa fameuse Lipus anrteta kai heben, que je vous citais tout à l'heure comme une formule d'époque mycénienne, puisqu'il faut la mettre en grec mycénien pour pouvoir la scander. Cette formule, elle est utilisée pour la mort de Patrocle et pour la mort d'Hector. Uniquement. Donc, elle réunit donc les adversaires dans la mort. C'est donc deux fois seulement que cette vieille formule est utilisée sur 194 tués dans l'ensemble du poème. C'est donc pas un hasard, surtout que ces deux morts ne sont pas proches l'une de l'autre. Donc, on ne peut pas dire, oui, c'est juste parce qu'il l'avait bien en mémoire, alors il l'a remise une deuxième fois. Non, il y a une intention
La mort est décrite de la même manière, il y a une rencontre dans la mort des deux adversaires. Il y a aussi la formule par laquelle on définit Priam. Si Dereion Nutoyetor, tu as un cœur de fer. Au dernier chant de l'Iliade, ces mots sont prononcés deux fois. Une fois c'est Hécube qui lui dit ça, et l'autre fois c'est Achille. Donc c'est l'épouse et c'est l'ennemi qui disent les mêmes mots au sujet de Priam. Donc, de nouveau, le filet se resserre autour de la ressemblance. Le sommet de la convergence, bien entendu, ça va être la fameuse rencontre de Priam et d'Achille. Je vous rappelle, Priam, après la mort d'Hector, doit assister d'abord au fait qu'Achille tire le cadavre d'Hector attaché à son char sous les murs de Troie et autour du cadavre de Patrocle qui est dans le camp. Et voilà que Priam décide d'aller demander à Achille le cadavre d'Hector. C'est une folie, mais enfin, les dieux ont décidé que ça pouvait se faire, parce que ils en ont assez de la manière dont on maltraite le cadavre d'Hector, dont Achille maltraite le cadavre d'Hector. Donc, aidé par Hermès, qui lui donne de bons conseils, Priam entre chez Achille, se jette à ses genoux et lui demande de lui restituer le cadavre de son fils Hector. Vous avez ici une représentation sur un cratère trouvé à Cerveteri et qui est maintenant au musée de Vienne. Vous voyez Achille sur son lit, avec sous son lit le cadavre d'Hector et le vieux Priam en suppliant au pied du lit. Donc c'est une scène qui a frappé l'imagination. On est ici à l'époque des guerres médiques. On date cette poterie de 490 avant notre ère à peu près. Le thème a été repris du reste. Vous avez ici un tableau que je ne connaissais pas, mais que j'ai trouvé sur Google Images. Jérôme Martin Langlois, 1809, c'est à l'École nationale des beaux-arts de Paris, voilà, Priam au pied d'Achille. Donc c'est un thème récurrent, c'est la rencontre au fond des deux ennemis jurés autour de la mort du fils de l'un des deux. Achille finit par accepter. Vous vous rappelez peut-être que dans cet épisode, Priam rappelle à Achille que lui aussi il a un vieux père et qu'il devrait penser à ce vieux père en le regardant lui, et Achille fond en larmes et tous les deux pleurent. Donc il y a une scène très émouvante où tous les deux sont là en train de pleurer. Ensuite Achille lui dit bon, on va manger, même si on est triste, on va manger. Quand ils eurent tous chassé la soif et l'appétit, Priam le Dardanide admira le divin Achille, qu'il était grand et beau. À le voir, on eût dit un dieu. Achille admirait quant à lui Priam le Dardanide. Il contemplait son noble aspect, il écoutait sa voix. Quand ils se furent longtemps regardés l'un et l'autre, le vieux Priam prit le premier la parole et lui dit, alors il lui dit qu'il faut aller dormir, car c'est l'heure. Et Achille répond à Priam, « Vieux Priam, il en sera fait comme tu le demandes. Je suspendrai la lutte aussi longtemps que tu le veux. » Oui, parce qu'ils ont convenu de cette trêve pour les funérailles d'Hector. À ces mots, il prit au poignet la droite du vieillard afin que celui-ci n'eût rien à craindre dans son âme. Et l'on vit bientôt s'allonger sous l'auvent du logis Priam et son héros, le cœur plein de sages pensées. Ils partiront avant l'aube, ils auront la prudence de partir avant l'aube pour ne pas être vus par les autres Achéens, les autres Grecs du camp. Et Achille, c'est là que Achille disparaît. Comment est-ce que Achille disparaît de l'Iliade? Quelle est la dernière chose qu'on lui voit faire? Achille dormit tout au fond de la grande baraque, avec la belle Briseis couchée à ses côtés. Donc, la dernière chose qu'il fait, c'est coucher avec Briseis. Or, s'il fait ça, c'est qu'il obéit à sa maman. En effet, Thétis lui a dit, sa vénérable mère vint s'asseoir à ses côtés, c'est au début du chant 24, le flatta de la main et l'interpella en ces termes, « Mon cher enfant, jusque à quand rongeras-tu ton cœur à gémir et pleurer au mépris du pain et du lit? Le plaisir est grand de s'unir d'amour à une femme. » Donc, on voit Achille, le guerrier,
terminer dans le monde de la concorde la plus parfaite, celle de l'union d'un homme et d'une femme. Cette convergence vers la concorde sur le plan humain est doublée d'un contrepoint sur le plan divin. Je ne vais pas insister, mais il y a tout un appareil divin qu'on peut analyser en contrepoint, où on voit en particulier qu'au début, la grande différence au premier champ, c'est qu'il y a dispute chez les humains. Mais chez les dieux, il y a dispute et réconciliation. À la fin du premier champ, les dieux se réconcilient. Les humains, non. Ils n'ont pas cette facilité de vie. Quand, dans les épisodes où il s'agit de remplacer Achille, on voit les dieux intervenir, quelquefois se faire interdire par Zeus d'intervenir, mais enfin, ils se tiennent plus ou moins à distance, ils interviennent quand ils veulent. Lorsque on veut récupérer Achille et que Patrocle entre dans le jeu, c'est là que l'attirance de l'amitié, du sentiment d'Achille pour Patrocle, a son équivalent sur le plan divin. Ça, c'est le passage que Platon détestait et pour lequel il pensait qu'il ne fallait pas lire, pas faire lire les poèmes homériques aux jeunes gens. En effet, c'est là que Héra réussit à séduire Zeus en se mettant des parfums qu'elle est allée emprunter à Aphrodite. Et Zeus est tellement pris d'amour qu'il lui dit « Écoute, j'ai tellement envie de coucher avec toi, c'est pire que quand on faisait ça en cachette de nos parents. » Et alors, Platon dit « Vous ne voulez pas faire lire ça à des enfants quand même ?» Non, non, c'est interdit. Donc. Mais ce passage, vous voyez, correspond à ce qui, sur le plan humain, met en jeu l'attirance. À la fin, c'est là que vous avez le contraste le plus marqué. Achille et Hector se battent, les dieux se livrent à la véritable bataille des dieux, mais les dieux retournent ensuite dans l'Olympe et festoient. Du côté des humains, on aura une trêve, mais la guerre reprendra. Et donc, j'ai mis ces vers du 24e chant. Tel est le sort que les dieux filent aux pauvres mortels, vivre dans le chagrin alors qu'eux restent sans souci. Les dieux ne souffrent pas, inutile de se battre pour des humains, ils le disent à plusieurs reprises, on ne quand même pas se battre pour des mortels. Les hommes doivent mourir de toute manière, donc inutile de faire des chichis pour les défendre. Alors, est-ce un poème de la guerre? J'espère vous avoir montré que la démarche est plus englobante que cela. Elle va vers l'équilibre et la concorde, elle va vers le même de part et d'autre, en partant du différent. La guerre fait partie du destin que les dieux filent pour les humains. Il faut apprendre que la guerre est un élément de la vie, qu'il existe différentes manières de la faire ou de la subir. Et c'est là que nous revenons à la réflexion d'Aristote contemplant le buste d'Homère. Vous allez pouvoir contempler ce buste d'Homère à la fondation de la Fondation Bodmer, dont notre archéologue José de Rigue avait démontré à l'époque que c'était bien celui que Rembrandt avait sous la main quand il a fait son tableau. Donc vous ne pourrez pas mettre la main dessus comme Aristote, Rembrandt ici, mais c'est celui-là qui est à deux pas de la salle où nous nous trouvons. Mais en conclusion, je dirais que l'Iliade est à concevoir comme un chapitre de l'encyclopédie orale. C'est un chant qui dit le monde tel qu'on peut l'interpréter ou tel qu'on veut l'enseigner. C'est un poème de la guerre dans toute la mesure où la guerre affecte la condition humaine. On peut apprendre à conduire un bateau, Havelock l'a montré, dans l'épisode où on ramène Chryséis, on voit comment fonctionne le bateau, on peut apprendre à conduire un bateau. On peut apprendre les rites funéraires, on peut même apprendre à exprimer ses sentiments. Rappelez-vous Andromaque disant à Hector, tu es pour moi un frère, un mari, un père. On apprend aussi dans la perspective générale de ces 16 000 vers que la guerre et la paix animent notre expérience d'humain, que les souffrances des humains sont à la fois ce qui les différencie des dieux, rappelez-vous la fin, ce qui les différencie des dieux, et ce qui les rapproche les uns des autres. D'un bout à l'autre du trajet qui mène de la colère d'Achille aux funérailles d'Hector, une sorte de basse continue fait entendre sur différents tons que dans la guerre aussi, les autres sont des humains.